Philippe Bernold, vous êtes musicien, vous accompagnez le festival Sous Chante Mozart depuis le début, c'est-à-dire depuis 25 ans. Qu'est-ce qui vous motive, vous ? Mais d'abord, le fait de pouvoir jouer la musique de Mozart, qui est mon compositeur préféré. C'est un festival que j'ai rencontré presque par hasard, et je me suis fort bien entendu avec le président de l'époque, Henri Fuoc, et il m'a fait confiance au point où il m'a proposé chaque année, lui livrer mes idées de programmation. À l'époque, j'habitais Lyon, donc dans une proximité géographique. Des réunions tout à fait sympathiques s'organisaient chez moi. Et ce qui m'a beaucoup séduit, c'est de présenter la musique de Mozart, compositeur réputé, en tout cas à l'époque, puisqu'il n'y avait pas encore le film de Milos Forman qui a un peu popularisé Mozart. Amadeus, mais avant, pour la plupart des gens, Mozart, c'était un musicien sérieux, réservé à une certaine catégorie sociale, qui le comprenait, des initiés, etc. Et moi, évidemment, c'est tout le contraire que je pense. Et Henri aussi, Henri Fuoc. Et du coup, on a bâti un festival dans une nouvelle forme qui était centrée sur une forme, sur la convivialité, sur la proximité, sur le fait de pouvoir jouer du Mozart. C'était presque un paradoxe, en fait. Sous Chante Mozart, c'est presque un paradoxe. Avoir choisi le compositeur qui, à l'époque, était considéré comme le compositeur sérieux et de le transposer dans un cadre convivial et amical. Voilà, là, on n'est pas à Salzbourg et c'est abordable par tout le monde. Oui, alors on n'est pas à Salzbourg. Alors, je dois vous dire, je n'ai jamais été à Salzbourg. Je ne peux pas vous dire comment c'est maintenant, mais je crois que c'est quand même assez collé-monté encore. Alors, on est dans les jours, on est ici à Tain quand on vous enregistre, mais on est dans des jours où on parle de Mozart en son temps. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Mozart est un homme de notre temps, du 21e siècle ? Il a quelque chose à lui dire ? Alors, vous allez me dire, c'est la tarte à la crème, ce que je vais vous répondre, mais c'est un homme intemporel. Mais comme tous les compositeurs de musique classique, ce que je voudrais surtout dire et faire passer comme message, c'est que, contrairement là encore à ce qu'on croit, la musique classique est une musique actuelle. C'est une musique qui peut toucher et qui doit... et qui toucherait à tous les coups la très grande majorité des gens. Le simple problème, c'est que sa diffusion n'est pas bien faite. Hein. Les médias proposent la musique classique d'une manière pas forcément toujours appropriée en termes de présentation, en termes d'horaire. Et puis, il y a aussi, comment vais-je dire, un problème d'éducation, fondamentale, c'est-à-dire à l'école primaire, au collège, au lycée, on apprend la musique. Enfin, je suis très étonné, je vais peut-être me mettre à dos beaucoup de collègues professeurs de musique du collège et du lycée, mais ce qu'on apprend à mon fils qui a 14 ans, c'est rigoureusement ce qu'on m'apprenait à moi il y a un peu plus longtemps que cela. Donc il n'y a pas beaucoup d'évolution. Voilà, alors je ne vais peut-être pas m'étendre sur ce sujet parce que je ne veux pas polémiquer. Simplement, je trouve que la place de la musique, en particulier en France, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays comme l'Allemagne, mais la place de la musique en France est trop réduite et il est certain que la musique classique est accessible à tous et touche tout le monde. Maintenant, je réponds plus précisément à votre question. Est-ce que Mozart est un musicien de notre temps ? Moi, ce qui me touche, c'est Mozart, c'est la dualité, ou plus exactement la complémentarité qui existe entre la profondeur et la légèreté. Et ça, je crois que en chacun de nous, nous avons une part de profondeur importante. Dans une conférence récente, on parlait de cette démarche qu'avait Mozart, qui avait à l'idée perpétuellement la mort. Alors, la profondeur et cette élégance, cette richesse, cette légèreté. Et j'allais dire, nous les Français, on devrait la comprendre d'autant mieux que quand je dis la légèreté, c'est l'élégance. Et il n'y a pas plus élégant que la culture française. Qui dit légèreté dit musique qui élève. Oui, qui dit musique qui élève et qui dit pas musique secondaire, futile, anecdotique. Non, qui élève. Vous avez trouvé le mot de la fin.